Nous voilà réunis une nouvelle fois pour présenter cette vente du 11 mai 2016 à l'hôtel Drouot. Il s'agit d'une vacation courte en numéros, moins de 90 numéros, comprenant principalement un très bel ensemble de sculptures anciennes allant du 12e siècle au 18e siècle. Alors, cette très belle statue en marbre de Carrare, représentant l'empereur Commode en gladiateur, c'est une œuvre inspirée de la statue antique découverte dans les thermes de Caracalla et conservée actuellement au musée de Naples, musée archéologie de Naples. C'est une statue qui est datable aux alentours de 1625 et un travail romain. Voilà, nous quittons l'Italie pour retrouver la statuaire française avec une pièce d'époque Louis XV représentant cette femme élégante avec ce beau drapé. C'est quelque chose qui est attribué aux Girardons. Ce buste de Charles V, duc de Lorraine, exécuté par Rémy Chassel, est une des pièces maîtresses de cette vacation. Nous tenons à remercier le professeur Souchal de la notice qui a permis l'attribution à ce très grand sculpteur. La couverture du catalogue de cette vente est illustrée par ce palefrenier retenant un cheval cabré. C'est une statue tout en hauteur qui est inspirée des chevaux de Marly de Guillaume Coustou, célèbre par excellence et commandé par Louis XIV. Notre statue fait partie du groupe des Adam. Sébastien Adam faisait partie de la famille des gens qui ont travaillé au parc de Versailles sous Louis XIV et Louis XV. Coustou, les Lorrain, les Adam et les Schlotz font partie de cette grande dynastie. Outre la qualité remarquable de cette sculpture, elle est signée de Adam sur les lanières. Des estampilles magnifiques relevées sur certains meubles complètent l'ensemble. Il s'agit d'une paire de commodes d'époque Louis XVI à porte, estampillée de Bury, d'une commode en laque européen imitant le laque chinois estampillée de Dubois, et également des consoles magnifiques de qualité estampillées de Georges Jacob, sans oublier une magnifique paire de petites tables volantes estampillées de Canaba. Je tiens également à vous annoncer une vente exceptionnelle qui aura lieu le 1er juin à l'hôtel Drouot. Il s'agit d'une vente d'art moderne et contemporain qui comprendront des artistes exceptionnels tels que Fontana, Basquiat, Delvaux et bien d'autres. Il y aura également la succession Jean-Fabrice Maurice Utrillo avec six œuvres de qualité de Maurice Utrillo.